Oula, j'espère que vous n'avez pas eu trop mal. Cet angle de vue est magique. On va dire que c'est bon. Salut les gars, j'espère que ça va aujourd'hui. Nouvelle vidéo. C'est pas comme si on était sur YouTube. Bon, cette vidéo n'était pas du tout prévue, en fait. C'est-à-dire que je suis rentrée de cours il y a littéralement 20 minutes et mon voisin a sonné à ce moment-là pour me dire qu'il avait reçu un colis pour moi qui ne rentrait ni dans ma boîte aux lettres ni dans la sienne. Du coup, j'ai un colis et je sais absolument pas de qui ça vient. J'ai un petit doute, je pense que ça vient d'un site chinois qui m'a contacté il y a à peu près 2 semaines. Ils m'ont demandé de choisir des vêtements sur leur site. Ce que j'ai fait, je leur ai envoyé tous les vêtements que je voulais dans ma taille, etc. Et depuis, plus de nouvelles. J'ai jamais eu de retour, j'ai jamais eu de mail, comme quoi ils avaient eu un problème avec la commande, comme quoi, je sais pas, n'importe quoi. J'ai jamais eu de retour. C'est un des seuls partenariats de vêtements qui pourraient avoir la taille de ce colis là. Donc je pense que ça vient de Lupsona, mais je suis vraiment pas sûre. Bah du coup on va bien voir, ça va être la surprise. Quel suspense et péripéties dans cette vidéo, Célia. Donc voilà la taille du colis. Je sais pas si on verra vraiment bien la grosseur du bordel, mais vraiment ça pèse une tonne. On va pas faire ça dans les règles de l'art, je pense qu'on va y aller comme des gros porcs. Ok, donc j'ai la preuve que c'est Lupsona parce que c'est écrit dessus. Et il y a énormément d'articles, mais les gars, enfin, je me rappelais vraiment pas avoir commandé autant de trucs, mais bon bref. Alors, waouh, ils m'ont offert un petit tote bag, que c'est mignon. Je vais absolument jamais l'utiliser, sauf pour aller faire mes cours. Premier article. Ouh. Oui, c'est un ensemble. Putain, mais la qualité, les frères. Les frères. Du coup, je m'en rappelle, c'est un ensemble avec le haut comme ça, avec une petite capuche, tout ça, plus le petit pantalon. Mais la qualité est vraiment bien. Par contre, la taille, enfin, je vais arrêter de dire ça à tous mes partenariats parce que bon, au bout d'un moment, on a compris que j'avais grossi ces derniers temps, hein, mais bon, bref. Ensuite, on a un petit haut. Oh, il est trop beau. Les gars, la qualité, je suis vraiment choquée. Donc, c'est un petit haut comme ça. Moi, je kiffe vraiment la couleur et j'allais dire, bah, la coupe, ça a l'air d'aller, mais bon. Ensuite, on a un haut jaune. Petit t-shirt. Encore une fois, toujours la même coupe. J'aime bien la couleur et il est trop mignon. Ensuite, encore un autre haut. J'ai vraiment fait le plein de t-shirts. Hein. Voilà, on va tester. Ensuite, on a... Ah oui, à préciser, j'ai pris tous mes t-shirts en taille M. Donc, c'est un petit haut comme ça. Mes seins sont trop beaux pour ma vie, pour être comme ça. J'avais pas vu ça comme ça, en fait. Mais vous savez, c'est un haut bandeau comme ça. Ensuite... Ok, c'est un haut comme ça que je pense vous mettez au niveau des épaules comme ça. Vous avez des manches ultra larges et il est très très court par contre. Bon, ça se voyait sur la photo, mais je sais pas trop avec quoi je vais le porter. Peut-être avec un jean taille haute, ça peut faire grave stylé. Et vous savez, avec plein de colliers. Non, ça peut être cool. À tester encore une fois. Et pareil, la qualité, je suis vraiment choquée. Ensuite, on a ça. Je sais pas si vous avez vu mon unboxing chicken, mais ce haut là ressemble beaucoup au top rouge, de ce que je me rappelle en tout cas. Donc attendez, je vais vous le nouer. Alors, ça sera beaucoup mieux porté, je pense. Mais en gros, en très très gros, mais ça ressemble à peu près à un top comme ça. Mais encore une fois, la qualité, mais ultra cool. Mais pour l'instant, c'est un sans faute. Enfin, j'ai pas encore testé les vêtements, mais pour l'instant, chapeau. Cette expression de beauf. Ensuite, on a ça. Ah oui! Oh putain, c'est un pantalon satiné comme ça, violet. Oh, il est magnifique. J'espère juste que la taille, ça va m'aller, putain. Comme je vous l'avais dit dans mon dernier unboxing, je commande très rarement des pantalons sur les sites qui me proposent des partenariats parce que ça taille toujours ultra petit et le fait que j'ai des formes, bah je préfère toujours tester les vêtements plutôt que de les commander sur internet. Et là, franchement, la qualité, encore une fois, ultra cool. Le violet, comme ça, c'est vraiment pas une couleur que je porte d'habitude, mais là, ça a l'air vraiment d'être ma taille, donc j'espère. S'il vous plaît. Et je tiens vraiment à vous préciser, là, tous mes avis, ils sont vraiment sincères. Je crois que là, pour l'instant, tous les unboxings que j'ai vécu de partenariats de sites chinois, c'est le premier où, pour l'instant, rien qu'en déballant, je suis ultra contente. Au niveau de la qualité des vêtements, de la transparence, voilà, genre l'emballage même, il était archi bien emballé, le colis. Enfin, mais même ce truc-là, mais putain, mais si vous pouviez toucher la qualité du truc, là, mais c'est ultra épais, c'est pas matière maillot de bain, c'est limite matière velours, le truc. Et en plus, un body qui peut... non mais là les gars non. Du coup c'est un body effet serpent comme ça. Je voulais tellement un haut comme ça. Il existait en bleu aussi il me semble. Enfin toujours le même motif mais en bleu il était magnifique. Donc je pense que bah sincèrement je vais commander sur le site. Enfin si tout est comme ça mais les gars Du coup voilà un body et il a l'air d'être plutôt bien taillé. Et il peut s'ouvrir en bas. Ensuite on a ça, je sais pas ce que c'est, je me rappelle plus. La qualité de ce truc, je suis un peu déçue. Enfin rien que là je touche, c'est pas de la qualité dégueulasse non plus, mais c'est de la qualité, vous savez, chemise blouse. Et c'est le genre de matière où tu transpires vraiment à mort. Donc pour un top qui est censé être mis en été, on verra, mais la qualité est pas dégueulasse non plus. Enfin vous voyez, c'est pas de la qualité genre j'ai pas de nom qui me vient en tête, mais c'est pas de la qualité marché. Enfin vous voyez, c'est un haut rose comme ça avec des manches ultra évasées et pareil qui se noue devant avec un petit décolleté, tout ça. Encore une fois, avec plein de colliers, ça peut faire trop beau. Ensuite on a un truc, putain je vais pleurer, c'est un jogging camouflage bleu, rose et blanc, mais il est vraiment trop mignon, je vais vraiment pleurer. Non mais c'est trop beau, non non mais par contre c'est vraiment trop beau. Ça je pense que vraiment personne va aimer, mais moi j'aime trop, je trouve ça vraiment trop beau. Un petit jogging avec des poches, il est ultra épais. Et voilà, avec des petites Air Force et tout, un petit top blanc, mais ça peut être trop beau. Ensuite on a ça. Et ça c'est pareil, c'est un pantalon ultra spécial. Là on est servi je pense. Ouah, la qualité par contre je suis un peu déçue là. Ça c'est plus une matière kawaii. Donc c'est un pantalon en damier comme ça. Il a l'air assez beau, mais la qualité vraiment ça va pas du tout vous tenir chaud. Je sais pas si vous arriverez à voir.
commencer. Vous voyez juste, vous entendez, je pense. Avoir porté, mais ça, je pense que ça va être l'article que je vais le moins aimer. Puis comment je vais porter ça? Aucune idée, mais bon, c'est pas grave. Dernier article, c'est un pantalon. Il y avait beaucoup de pantalons cargo comme ça sur leur site, j'ai remarqué, et plein d'autres styles. Vraiment, j'ai galéré à choisir mes vêtements partout. Alors, c'est un pantalon avec ce motif-là. C'est un mélange entre motif léopard, motif militaire, tu sais pas trop. C'est resserrable à la cheville par un petit élastique. Vous avez aussi un élastique derrière pour que ça aille à peu près à toutes les morphologies. Plus un bouton ici et une fermeture éclair. Donc, celui-là à tester, mais c'est pareil, il a l'air d'assez bien taillé. Donc, on verra bien. Là, j'ai juste qu'une envie, c'est de tester les vêtements. Donc, je vais pas trop parler. Alors, du coup, quand j'ai envoyé la commande, on était le. Je vais vous dire ça tout de suite. Du coup, j'ai envoyé le mail de tous les vêtements que j'avais choisi le 4 septembre à 12h30. Et nous sommes le 17 septembre à 20h57. Enfin, bref, je l'ai reçu dans la journée. Donc, ça a pris environ 15 jours pour arriver, ce qui est franchement très raisonnable pour un site chinois, croyez-moi. Et du coup, il m'avait offert un budget de 300€ sur leur site pour choisir donc tous les vêtements que vous venez de voir. Donc en gros, tout ce que vous venez de voir là, ça a coûté 300$. Et honnêtement, pour tout ce que j'ai et pour la qualité que c'est, croyez-moi, c'est vraiment pas grand-chose. Rien que ça, ça pourrait être sur Asos à 60€ à 70€ facile. Donc on se retrouve pour le try-on dans quelques secondes et puis voilà, c'est parti. Ok, désolé, on voit pas ma tête, mais du coup c'est le premier vêtement que je peux vous montrer. Alors par contre, si vraiment je devais dire un truc, c'est que bah, j'étais obligée de mettre un débardeur parce que sinon on voyait vraiment tout. Mais si par exemple vous avez une petite poitrine, mais foncée fois 1000. Et cet article coûtait 15,99€. Ensuite, un peu dans le même style, on a ce haut-là. Alors lui, il est un peu plus serré, du coup bah là c'est encore pire, fallait vraiment que je mette ça sinon c'était vraiment mort, je pouvais pas vous montrer ça sur YouTube. Je trouve assez beau, mais comme je viens de vous le dire, il est un peu serré. La matière, c'est bien ce qui me semblait. En fait, c'est une matière très satinée. Enfin, je sais pas comment vous voyez, mais c'est la même matière. Et comme c'est un haut qui est censé quand même se mettre en été, enfin, tu vas pas mettre ça en hiver, clairement, ça risque de tenir très très chaud. Tu risques très vite de transpirer là-dedans. Donc, c'est le seul problème, je dirais, à ce haut. Mais sinon, pareil, il est très très beau. Alors, peut-être pas avec un jean. Et ce haut-là, il était exactement au même prix que l'autre, c'est-à-dire 15,99€. Ok, donc je suis en train d'essayer ce haut-là. Ce que je viens de remarquer, c'est que ça là, c'est pas directement attaché au pull, donc c'est archi facile à perdre. Et donc, enfin, comme ça, clairement, enfin, moi, je trouve pas ça portable. Enfin, c'est pas très flatteur. Par contre, quand ça, du coup, ce sera noué, ce sera mieux. Mais faites très attention si vous voulez le commander à pas perdre ce petit truc là, parce que bah, du coup, vous allez être assez embêté. Bon, voilà comment le haut rend. Je trouve que la couleur, elle est pas archi flatteuse sur moi. Et c'est super court, quoi. Même avec un pantalon, enfin, genre, mon nombril, dites-vous, il est là. À voir avec quoi le porter. Mais bon, je sais pas encore. Mais en tout cas, ça reste très très bien aux épaules parce qu'il y a un élastique. J'aurais peut-être finalement dû prendre une autre couleur. Genre, il y avait un kaki comme ça qui était archi beau, ça aurait pu faire trop joli. Mais du coup, ouais, je suis pas hyper fan. Ok, on passe au t-shirt. Et alors là, les gars, je crois que là, sincèrement, c'est ma partie préférée de la commande. Donc on a d'abord ce haut là, je pense que c'est vraiment un de mes préférés de toute la commande. D'habitude, je suis vraiment le genre de meuf à pas vraiment assumer mes formes, j'aime pas mes bras, enfin j'ai énormément de complexes au niveau du haut du corps, ce qui fait que je mets vraiment très très peu de haut vraiment ultra moulant. Mais là, pour une fois, je crois que c'est l'un des premiers t-shirts que j'aime bien avec cette coupe là, je sais pas comment vous expliquer. Donc si vous aimez les hauts moulants, mais foncez sur Ulsona parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et puis même, je sais pas, je kiffe la couleur, je trouve qu'elle me va plutôt bien. Les t-shirts, il me semble qu'ils avaient tous le même prix. Donc celui-là, il était à 13,99€. Et en plus, c'est même pas transparent, mais je suis trop fan, j'en ai marre. Ensuite, on a ce t-shirt là. Alors là, par contre, j'ai mis un débardeur parce que c'était pareil, c'était un peu transparent, mais ça va. Après, ça dépend du soutif que vous mettez en dessous. Mais là, j'avais vraiment la flemme de me changer complètement. Rien à dire comme les autres. Ok, maintenant on passe au pantalon. Bon, pour commencer, on a ce jogging là que je trouve vraiment archi confortable. Pareil, il est très extensible, donc ça peut vraiment aller à tout le monde. Et je trouve qu'avec le haut là, il passe plutôt bien. Encore une fois, comme je vous avais dit dans la vidéo, je le verrais trop bien avec un haut blanc. Bah, du coup, celui-là, il se prête archi bien. Et vous voyez ça peut-être avec, vous savez, des Air Force ou un truc comme ça. Et puis, bah, ça vous fait une tenue quoi. Archi confortable, t'es grave bien dedans. Donc, c'est pareil, je recommande. Bon, du coup, désolé, j'ai presque plus de batterie, mais voilà le dernier pantalon qui, du coup, est un pantalon cargo qui taille très très bien également. Rien à dire. Pour une fois, putain, qu'un pantalon cargo sur un site me va. Du coup là, c'est très très bien, j'ai rien à dire, je suis trop contente. Ok les gars, on se retrouve quelques jours plus tard, une fois que j'ai à peu près testé tous les vêtements. Désolée d'avance pour la luminosité, mais j'ai le soleil en pleine face, on va essayer de faire sans. Du coup là, je viens juste de rentrer de cours, donc désolée pour ma tête. On est le 25 septembre ou le 26, je sais plus, enfin bref. Donc ça fait à peu près une semaine que je teste les vêtements, que je les mets tous les jours, etc. Et du coup, j'en suis toujours très contente, y a pas de souci. Mais j'ai quand même remarqué quelques petits trucs. Par exemple, les pantalons, quand tu les portes, ils ont tendance à monter. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais bon, les chevilles, elles remontent. C'est vraiment pas clair. Je fais 1m73, 74, quelque chose comme ça. Donc souvent les pantalons, ça fait ça, c'est pas dérangeant. Mais voilà, je tenais quand même à le préciser. L'ensemble beige, je peux clairement pas le porter dehors parce que ça montre vraiment tout. 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 Ça reste flatteur, mais je me verrais vraiment pas sortir avec. Après, si vous voulez traîner chez vous et tout, franchement foncez parce que c'est hyper agréable à porter. Mais si vous voulez le porter dehors et que encore une fois vous avez des formes. Et mon autre déception, mais du coup vous y attendez, c'était le pantalon à carreaux qui me va pas du tout, je peux même pas rentrer dedans. Mais vraiment, c'est à peu près tout ce qui m'a vraiment déçu dans la commande. Je me rappelle pas vraiment d'un vêtement comme ça. Donc voilà tout le monde en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il on va se calmer. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de très très gros bisous, on se retrouve mercredi ou samedi prochain. Portez-vous bien et à la prochaine, ciao.